C'est une fiction. Souvent, j'utilise ce terme aussi, c'est un semi-documentaire aussi, puisque comme par exemple, Benz qui a joué son rôle personnel, comme par exemple, je fais référence à un réalisateur connu, comme par exemple Michel, qui a réalisé « Les couleurs de la dignité ». Donc, c'est semi-fiction, semi-documentaire. Donc, fait que c'est dommage que Alex Holman n'est pas là. J'aurais bien aimé lui poser la question lui aussi, mais je sais que c'est pure invention. J'appelle la police. C'est ta femme, c'est mon fils que je veux voir. Et s'il vous arrive de perdre votre famille? Écoute, Béatrice, j'avais mis un peu d'argent de côté. Un peu d'argent? Je ne peux pas vivre avec un peu d'argent, moi. Tu voudras peut-être aussi que je conduise une voiture usagée ou que je m'habille en friperie. Mais Béatrice, quand je t'ai rencontré, tu n'avais rien. Tu avais uniquement ces friperies-là dont tu parles. C'est quoi? Belle maison, belle voiture dont tu parles, justement, tu les dois tout ça au cinéma. Ok? Alors, si je comprends bien, t'étais avec moi uniquement parce que j'avais de l'argent? Noémie! Quoi? Prenez un scénario. Oh, est-ce que t'as dormi ici? Non. T'as vu l'heure qu'il est? Je t'ai dit que je travaillerai pas avec toi. Non, mais pas écoute, avec un réalisateur fini. Mais tu as arrête de me harceler! Bonsoir Coralie, c'est Alternative Plus, un média en ligne. À ce moment-là, nous avons une grande première film de Paul Henri Attistitre jusqu'au bout le réalisateur. Je me demande qui leçon morale que tu as tiré de film, de belle histoire ça que nous sommes suivre là. Bon, d'abord, je bonsoir Kira. Et avant que moi-même moi commence à parler de leçon morale, je dis réalisateur et particulièrement Paul Henri Attistitre, compliment. Parce que c'est un film que haïtien que moi-même moi apprécie en pile. T'as gagné deux derniers films haïtiens que j'ai regardé. Bon, c'est pensé que yo t'ai manqué dans production yo, mais là on capable remarquer que acteur yo t'ai vraiment interprété rôle yo très bien. En plus de ça, réalisateur la Jean Jolan, tout bagaille pas yo t'ai à point. Maintenant, leçon morale c'est que faut pas jamais abandonner dans la vie. OK? C'est que gagné moment dans la vie côté qu'on retrouve dans situation désespérée. Côté qu'on pense que tout bagaille fini pour vous, mais on pas jamais connaît qui ça que la vie a réservé au demain. Donc encore une fois, moi même Abdou Alternative Plus, merci et puis encore merci et un compliment à Paul Henri Attistitre. Bonsoir. Donc aujourd'hui, moi j'étais vraiment content. Que moi j'étais présent vinn regarder film jusqu'au bout de Paul Henri Attistitre. Donc le son moral que moi j'ai tiré dans film là, bien que moi pas présent depuis le commencement. Donc c'est du fait que Paul Henri Attistitre t'a montré lui que dans ça qu'elle t'a fait, il était vraiment motivé pour le faire. Il était voulait aller jusqu'au bout comme si pour le réaliser que ça le voulait réaliser. Donc c'est leçon ça que moi tirer la danse, c'est ça que moi tout prend ça comme une pratique pour moi, tout ça que moi gagne pour me faire comme si me voulait motiver et puis pour m'aller vers l'avant. Bonsoir. Bon, même si je débarque en retard, mais quand même j'adore le film. C'est un très bel scénario et puis leçon que me tirer la danse tout c'est tout ce qu'on fait sous terre, c'est sous terre au pays. Je regarde demoiselle là, je la fais
et Michel passe misère bagaille et puis Livine jeune un l'autre qui fait long coup. Bon, c'est son belle même content ça tout. Moi mes histoire là, bel film. J'adore. OK, et pour réalisateur là qui ça nous a dit de lui, c'est un bon réalisateur ou bien? Oui, c'est un bon réalisateur et il joue bien tout. Bien bel langage moi mais ça. OK. Et poursuite film là de quoi obtenir avec impatience. Ah oui, bon moi le fini, bon pas même le fini même. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait des difficultés lors du tournage de ce film? Difficultés en tant que telles, non. Je ne me rappelle pas qu'on avait tant que ça parce qu'on était une très belle équipe. On s'entendait super bien sur le plateau. Donc, fait qu'on était comme des frères pendant la période de la production. Donc, fait que difficultés en tant que telles, non. J'ai des doutes à ce niveau-là. Ça a été super bien. La réalité que le cinéaste haïtien, ils vivent présentement avec la situation qu'on connaît tous. Donc, fait que je suis sûr peut-être que ça s'est déjà arrivé à plus d'un ou peut-être un ou deux, je sais pas. Mais le message, je l'ai déjà lancé ce soir, c'est que je me jette à l'eau. Je me jette à l'eau, donc je demande à tout le monde, le gouvernement, les autres artistes, les acteurs, de se mettre sur ce projet, de se mettre ensemble, justement, pour qu'on puisse au moins nous donner une salle de cinéma. Vous avez eu des pressions? J'ai pas eu de pression, à part des quand j'étais en France, des amis qui m'ont dit « Oh, t'as vu ce qui se passe en Haïti quand même, c'est pas très sécure, etc. » Mais je me suis jamais sentie aussi en sécurité depuis que je suis arrivée. En fait, je sens pas tout ça. On s'est bien occupé de moi depuis mon arrivée. J'ai l'impression d'être dans une bulle et de pas vraiment comprendre la réalité du pays, en fait. Donc, moi, personnellement, j'ai absolument pas de pression, non. OK. Et pour votre... Tu t'es sentie en sécurité ou t'as senti la sécurité à côté de toi? Non, mais les deux. Les deux. En fait, j'ai senti la sécurité à côté de moi et je me suis pas sentie pas en sécurité. C'est clair ce que j'ai dit. Et pour le film, tout s'est bien passé lors du tournage et l'histoire vous a plu et les rôles aussi? Oui, ça s'est bien passé. Je trouve que l'histoire, en fait, dépeint un petit peu la réalité de tous les réalisateurs, que ce soit en Haïti, au Canada, en France. C'est toujours une lutte de faire un film, de trouver un financement, de s'accorder sur quel acteur va prendre quel rôle. C'est absolument ce qu'on vit en tant que réalisateur et en tant qu'artiste aussi. Parce qu'il y a des difficultés, des fois on accepte des rôles, on n'en accepte pas d'autres, il y a la pression des agents, etc. Donc je trouve que c'était un beau sujet et très bien traité par Paul-Henri. Michel, je t'ai vu! Chaque fois que tu me vois, tu me fuis. Et ça fait 4 mois que tu n'as pas payé les loyers. Tu as apporté l'argent? Mais justement, je l'ai contacté. Il m'a dit que vous ne travaillez qu'avec de gros réalisateurs. Thank you.